Monique, je vous trouve là aux portes du cinéma Amphi à Vienne. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu au ciné? Oui, depuis l'année dernière. Depuis l'année passée, c'est-à-dire? L'année passée, oui. Avant le confinement? Oui, avant le confinement, parce que décembre, j'ai pas été là. Donc, Et là, c'est la semaine donc organisée par Cinéclap. Vous allez venir combien de fois? déjà 5 fois sur. 5 fois sur 7, c'est pas mal. Hein? Ah, j'ai mis 5 billets alors. Bon. Bon, là, vous sortez de voir Madre, un film madré, peut-être, je sais pas comment on le dit, un film espagnol, franco-espagnol. Votre impression un petit peu? Beaucoup d'insistance sur les paysages, le bruit de la mer qui rappelait l'origine de ces problèmes, c'est-à-dire la disparition du gamin. Et ça rendait un peu lourd l'atmosphère. Pour vous, le cinéma, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? C'est mettre sur pellicule du réel sans vouloir l'embellir forcément. C'est un art important. Oui. Et là, le fait que bah, maintenant, suite au confinement, il y a une baisse très notable des spectateurs, ça vous inspire quoi? C'est dommage. C'est dommage en tout. Il y a une baisse en tout de l'intérêt des gens. Ouais. Le Covid a créé un trouble. Oui. Puis c'est pas fini. Donc il y a des ressources à venir chercher dans le 7e art. Oui.